Lorsque le président Rivière a été élu, d'abord avec le Premier ministre Alphonse Jean, vous m'avez occupé fonction ministre de l'édification avec coopération externe. Et faut me dire c'est avec un pile plaisir et honneur de préparer pour mal servir pays en qualité de ministre de planification et coopération externe, puisque moi commencé travail pour l'État dans le commissariat à la promotion nationale et à l'administration publique, qui à un certain moment pourra le diviser en deux grandes parties, un côté qui vient ministère de la planification et de la coopération externe, et de l'autre ministère de l'administration et de la fonction publique. Ça arrivait que dans une partie qui concernait l'administration et fonction publique là, qui était venue remplacer par office de management et des ressources humaines. Donc, moi, c'est premier coordonnateur général que office de management et des ressources humaines. Et pendant le passage, moi, j'ai fait dans tête office de management et des ressources humaines, moi, j'ai dirigé établissement, un programme cadre de réforme de l'État, et ces programmes ça qui toujours mis à jour, qui a pas appliqué dans tête office de management et des ressources humaines. Et comme administration que je travaille là, c'est commissariat à la promotion nationale et à l'administration publique, partie administration publique là, moi arrivé pour tes contributions pour que la fonctionne, c'est avec un pile honneur que je souhaité ministre de planification et coopération externe pour que MTK, si peu que ce soit, pour te toucher moins dans le cadre de modernisation administration, ça à côté que MTK commence le travail. Mais il est arrivé à un certain moment, tu as nécessité pour choisir un nouveau premier ministre et moins. T'es commencé à constater qu'au niveau du Parlement, et au niveau de président Rivert, au niveau d'un pile secteur, en pile mon abdi, puisque nous toujours gagné une attitude que nous traiter avec tout le monde et que nous garder en certaine distance par rapport aux positions extrêmes. Donc, en pile monde pensait que dans la recherche consensus qui a fait pour un nouveau premier ministre, c'est moi-même qui t'ai venu rendre service là à pays. Et je me dis venir rendre service là à pays puisque année ça j'ai 55 ans et la loi t'est prévoit que à partir de 55 ans on monde t'est qu'à aller à la retraite. Et très franchement, t'ai pensé aller à la retraite et consacrer à jeunesse qui sortit dans le département nord-ouest et consacré à l'université Valparaiso. Mais l'État, ça a que je travaille là-dedans, que je trouvais qui ont population qui a souffri, qu'a dit Jodia, que nous parlons en pile de sécheresse qui dans le pays, qui fait que il y a environ 3,5 millions de monde qui sont en misère. Mais misère n'a pas venu avec sécheresse là, tu as pile misère déjà, nous avons une population qui a souffri. Et puis à côté de souffrance population, nous avons une question électorale qui est bloquée. Donc je pense que tu as développé une certaine capacité pour moins parler avec tout acteur, pour nous chercher à bâtir ensemble un consensus. Et dans bâtir consensus ça, joindre une porte de sortie pour nous résoudre et problème électoral là. Donc son contribution que je souhaitais porter, et c'est avec plaisir que à la fin de mission moins que je souhaitais qu'il pas trop long, que nous t'ai abouti à un président élu qui mettait en place programme dans bien communauté. Et étant donné que première tâche que le gouvernement gagne, c'est organisation
élection, c'est poursuivre processus électoral là. Nous t'es doué prendre temps nous pour nous prendre les premières mesures dans le sens poursuivre processus électoral là. Donc dans le premier conseil des ministres nous nommé conseil électoral là qui va faire élection, nous débat sur d'autres questions également qui portaient sur les critères que nous avons établis pour nous faire s'il y a lieu, j'ai bien dit s'il y a lieu certaines nominations. Donc nous discuter sur aspect ça et c'est pour nous arriver dans un niveau de décision. Pour le clair pour tout le monde, un premier ministre est nommé par le président de la République parmi les membres du parti ayant la majorité au Parlement. Nous sommes en situation, côté pas gain au parti, il y a la majorité au Parlement. Et la Constitution dit que si pas gain au parti qui a une majorité au Parlement, il choisit le premier ministre en consultation avec le président des deux chambres. Et consultation en fait, moins nommé premier ministre. Et le premier ministre, là, il suspend le premier ministre, l'aile présenter la démission de son gouvernement. C'est ça que la Constitution prévoit. On premier ministre, il suspend le premier ministre, l'aile présenter la démission de son gouvernement. Et même l'aile présenter démission du gouvernement, l'irrité pour expédier les affaires courantes jusqu'à ce qu'on l'autre vienne remplacer. Mais ça crive, il y a des circonstances côté constitution obligé premier ministre présenter démission. Et circonstances côté constitution exige premier ministre présenter démission, c'est lorsque premier ministre a un vote de censure de la part d'une des deux chambres. Cela veut dire si 60 députés votaient un vote de censure, ou bien 16 sénateurs, dans le cas qui nous concerne, un vote de censure, le Premier ministre a une obligation de présenter démission. Et suivant la Constitution, nous l'avons là, possibilité ça n'a pas même gagné au niveau du Parlement avant 6 mois que vous finissez entrer en fonction comme Premier ministre. Et pas gagné aucun côté dans l'accord qui limitait le mandat du Premier ministre. Question posée maintenant, c'est sous élection. Qui s'est fait en direction élection? Nous pas qu'à bluffer. Gon élément qui est le temps. Un conseil électoral qu'on mettait en place, faut le réunir pour qu'on ait clairement dans qui direction le pour aller. Leur film était conseil électoral là en place, nous réunis ensemble. Nous décrit globalement dans quelle direction nous devons aller avec toute indépendance CEPA, mais faut nous baler un temps suffisant pour l'organiser tête-li, mettre bureau en place, organiser réunion, informer auprès de machines avant que nous avancions sur d'autres points. Donc, pour mettre tête-li en place, pour l'alfonti garder en dans machine pour le kawé qui date li ka avancer li besoin temps et bien pendant l'appel là c'est processus là cap avancer donc gen des pas cap fait en direction élection sauf que c'est des pas qui pas étalé au grand public yon nan problème qui est actuellement c'est la c'est problème élection faut éviter que nous pas fait mois d'avril là par exemple fait simplement répéter mois décembre mois janvier parce que si nous fait avril là répéter mois décembre mois janvier n'a gagné un candidat unique qui dit le poil long deuxième tour et un autre candidat qui dit le pas aller et bien faut nous prendre temps parler avec acteurs rassurer acteurs et s'il y a lieu aller dans une forme dans une forme de vérification, c'est ça Bouchman dit, aller dans une forme de vérification, et puis gagner un CEP qui est le plus transparent possible, en façon
pour que yo pas mal interpréter des décisions qui prend pour nous conseiller CEP côté BCN pas on chambre dans BCN pour une décision non sens et même type de décision sous même donné à pour l'autre chambre dans BCN à prendre de manière contradictoire. Donc c'est tout ça pour construire, pour joindre consensus là qui fait à la fin lorsque on résultat bail par CEPA, ils sont résultats qui acceptables. C'est vrai que nous aimons la perfection, c'est ou bien bon ou bien pas bon net, c'est qu'on s'annie dans le pays nous, mais c'est voir ça n'a chercher pour le moment, CEPA travail, nous informer nous auprès CEPA pour nous connaître à travail pendant que nous gardons la distance nécessaire pour nous pas venir tourner un gouvernement qui a guidé CEP.